I found a love for me. Oh, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. Knowing what it was, I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding sure. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je vais agrandir ma petite face. Je me trouve vachement petite dans cette grande bibliothèque. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable début de semaine. Il y a quelque chose qui fait tout blanc chez moi.
Hello, hello, c'est Viewers Pink. Merci beaucoup pour ton follow, merci. Et franchement, ça me fait énormément plaisir que tu sois là pour la première et peut-être pour les suivantes. J'espère que tu vas bien et bienvenue à toi ici. Coucou Amritou, actuellement avec l'autrice. Yes, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Parce que du coup, c'est le deuxième livre qu'on a de la part de l'édition, la maison d'édition Amalthée. Et du coup, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve avec auteur ou autrice pendant la lecture. Et franchement, ça fait trop plaisir. Merci, 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 merci. En plus, cette autrice a l'air vraiment trop mignonne et vraiment fabuleuse et tout ça, tout ça. Donc, franchement, je kiffe. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça me fait vraiment plaisir. Comment ça va, Amritou? Du coup, tu l'auras compris. Elle est. J'en doute pas une seconde. Tu auras compris, du coup, Amritou, que nous sommes en présence de Margot Roudex ce soir via le compte Saviors Pink. Du coup, qui va lire cette, enfin, qui va écouter cette première lecture de son roman Saviors, le tome 1, This is the Hunt. Voilà. Donc, nous avons 16 chapitres. Si on part sur le fait qu'on se fait un chapitre par stream, on en a pour à peu près 2 mois de lecture. Donc, on terminera du coup fin juillet. Si je me trompe pas. Je ne sais pas, du coup, peut-être qu'on peut avoir l'information comment je peux dire ça? Je suis désolée, j'ai pas mes mots. En premier, est-ce que le tome 2 est en écriture? Est-ce que le tome 2 sortira en 2023 ou fin 2022? Telle est la question. Après, si on peut pas avoir la réponse, je ne force pas, évidemment. Mais voilà. Coucou Charlie, comment vas-tu? Tu arrives au début. Bravo Charlie. Bravo. Tu rattrapes pas le début de ce livre. Tome 2 fini, mais actuellement en correction. Super! Du coup, on peut peut-être espérer une sortie. D'accord, on n'a pas encore la date de sortie. Ok, donc on peut peut-être espérer une date de sortie pour fin 2022. C'est super. Du coup, ça fera pas trop de séparation entre le tome 1 et le tome 2. Et c'est génialissime. Et ça marche, Charlie. Merci beaucoup pour ton lurk sans le son. Des gros bisous. Je vais te décrire comme ça. Hop là. Ok, donc, du coup. Je rappelle un peu les habitudes de stream. Le stream lecture, du coup, sont des streams plus ou moins silencieux. À part peut-être entendre des petits miaou, des petits woufs à cause des animaux à la maison, parfois des klaxons. Je réponds au chat uniquement entre chaque chapitre. Donc là, du coup, comme je suis partie pour faire un chapitre par stream, pour éviter de faire des trop gros streams, parce qu'il y a toujours le travail et après le lendemain. Bah du coup je répondrai à la fin du chapitre, à la fin du stream du coup. Bien sûr, vous pouvez toujours continuellement parler sur le chat parce qu'on est là pour passer des bons moments et puis je vais pas vous empêcher d'échanger. De toute façon, le chat n'est pas sur les rediffusions YouTube puisque je l'ai complètement effacé. Du coup voilà, donc vous pouvez toujours parler dans le chat. Je vous laisse plus ou moins, selon si vous lurquez ou pas. Je vous en voudrais pas si ce n'est pas fait, étant donné que ce n'est pas votre rôle. Je vous laisse accueillir du coup les nouveaux arrivants, arrivantes pendant la lecture. Et puis voilà, donc du coup tout ce qui est point de chaîne et commande, tout ce qui est sonore, vous aurez les images à l'écran, mais vous n'aurez pas le son. Pourquoi? Simplement parce que pour profiter de la lecture au complet, pour ne pas rater un seul mot, puisque parfois c'est important,
Et aussi parce que les rediffusions de des streams lectures se retrouvent sur YouTube pour le moment qui ne sont pas retravaillées, mais du coup pour éviter ben aussi que les viewers sur YouTube perdent la magie de la lecture. Voilà. Oh non, pourquoi oh non? Mais voilà, du coup, j'ai rappelé un petit peu les règles de ces streams lecture. Donc aujourd'hui, on n'aura pas Orange Allo, le modérateur, parce qu'il a un petit pépin de santé. Pas de rediff YouTube? Si, si, il y a des rediffs YouTube, si, bien sûr. Mais pour le moment, j'ai pas le moment de faire des coupages, des montages vidéo. Et donc du coup j'exporte ma vidéo Twitch au complet. Et donc c'est pour ça que j'essaye de faire quelque chose le plus digeste possible pour les viewers sur YouTube. Sinon ça risque d'être un petit peu longuet pour eux, un petit peu complexe, surtout certains l'écoutent avant de dormir ou pendant les moments calmes. Donc voilà. Voilà. Alors, déjà, on va lire la petite biographie de Margot, puisque Margot, nous ne te connaissons pas pour faire dodo. Oui, bah ouais, ma voix endort bien, il paraît. Du coup, la petite biographie écrite à la fin de la quatrième de couverture est la suivante. Margot est originaire de Bordeaux. Margot Roudex est une jeune artiste de 22 ans, passionnée par les mondes fantastiques et fantaisistes. Pour ça, on va t'adorer. Écrivant depuis la tendre enfance, c'est en 2017, en première littéraire, qu'elle entame l'écriture de son tout premier roman, Saviors. Artiste à part entière, elle se plaît à distiller au sein de ses récits un savant mélange d'humour et de drame, abordant des sujets de la vie quotidienne, tout en créant pour ses personnages des décors tout droit sortis de son imaginaire. Et parfait, parfait. Oh, bonsoir Ena, bonsoir tout le monde, rien de grave pour le soleil national, international, j'espère, comment allez-vous? Coucou Camordoc, ça va très bien, merci. Et toi-même, rien de très très grave puisqu'il a été pris en charge rapidement, le soleil, ne t'en fais pas, il devrait sortir, il a été hospitalisé, voilà, mais il devrait sortir demain. Voilà, si tout va bien, mais tout a l'air de bien se passer, donc voilà. J'espère que tu vas bien aussi et que ton début de semaine s'est bien passé. Du coup, tu as entendu la biographie de Margot Roudex, du coup, autrice de Saviors, que nous commençons ce soir et qui est présente dans le chat ce soir avec le compte Saviors Pink et qui n'est pas seule. Et du coup, je vais vous lire la quatrième de couverture en rapport avec ce roman. Roman. Une fumée épaisse avait envahi l'espace, mélange subtil entre les toxines du feu qui lentement s'éteignait et la poussière grisonnante volant dans l'air pour se poser enfin au sol. Au bout de quelques instants, sortant d'un nuage sombre, 8 silhouettes humaines se dessinèrent. Sur leur poignet droit, un S semblait avoir été incrusté au fer rouge, rappelant la couleur des symboles qui ornaient leur longue et majestueuse épée. 150 ans après l'arrivée des démons sur la Terre, celle-ci n'est plus que l'ombre d'elle-même. Le peu d'humains ayant survécu vivent dans la crainte constante que leur vie s'arrête subitement. Cependant, une légende anime encore l'imaginaire de chacun, celle d'un groupe d'individus immortels, aux capacités hors normes et dotés d'une arme unique au monde, la seule capable d'éliminer les monstres qui ont jadis envahi le monde. Adam Anderson, 18 ans, aventureux et passionné par ces légendes, partira à la recherche de ce groupe mystérieux. À leur côté, il s'engagera pour un long périple semé d'embûches. Ensemble, parviendront-ils à atteindre l'objectif ultime, sauver le monde? Oscillant sans cesse entre humour, drame, amour et horreur, l'univers fantastique et envoûtant de Saviors nous plonge au cœur de questions psychologiques et éthiques complexes, mettant en scène des héros imparfaits qui, bien qu'invincibles, restent profondément humains. Mon premier stream lecture. Merci Camordoc, bienvenue dans ce premier stream lecture. Pourquoi j'ai un robot? Bon, c'est pas grave. Un robot? Comment ça?
Peut-être l'illustratrice du livre est aussi avec nous. Bonsoir à elle. Bonsoir l'illustratrice du livre. Tu voulais mettre deux points, j'ai eu un robot. Ah, c'est parce que ça t'a mis une émoticône, je pense. C'est le chat Twitch qui fonctionne comme ça. T'as dû mettre deux points avec une virgule ou un truc et ça a fait le petit logo. Du coup, je peux pas vous montrer les images parce que comme j'ai un truc qui découpe ma webcam, ça va faire tout noir. Et attention, on ne dit pas la suite de cette célèbre phrase. Coucou Azra, tu arrives pile au moment où on commence. Je vous lis le prologue et j'entame le premier chapitre. 12 mai 2024, New York. Les nuages de fumée noire avaient envahi le ciel, transformant cette belle journée d'été en une pénible nuit toxique. Il ne s'échappait de cette dernière plus que des cris et des larmes. La ville était à feu et à sang, et des créatures humanoïdes terrifiantes sortaient par milliers des bâtiments. C'est dans ce décor, déjà si chaotique, qu'une explosion intense souleva la terre et se fit entendre du côté de Manhattan, quartier qui ne ressemblait désormais plus qu'à un immense désert de terre et de bâtiments en ruine. Les milliers de créatures voraces de chair humaine se ruèrent alors vers l'endroit d'où provenait le son strident de l'explosion. Certains avançaient tels des humains sur leurs deux jambes, tandis que la plupart couraient à quatre pattes, se donnant d'autant plus l'air d'animaux féroces. Les démons avaient envahi la terre depuis 32 heures déjà, et plus rien n'était comme avant. Très vite, tout ce que les hommes avaient construit avait été détruit, et seuls quelques humains parvenaient à échapper aux monstres et à se regrouper dans certaines parties de la ville. L'invasion de New York n'était cependant pas un cas isolé. L'horreur et la terreur avaient envahi toutes les autres grandes villes du monde. La population avait diminué de plus de la moitié en à peine une journée. Malgré toutes les tentatives humaines d'exterminer la menace, aucune des armes qu'ils utilisaient ne parvenait à éliminer ne serait-ce qu'une seule de ces créatures. Les perspectives d'avenir de l'espèce humaine s'essoufflaient de jour en jour. Alors qu'au fin fond des décombres, une lumière éblouissante jaillit tel le dernier espoir de l'humanité, éclairant le ciel. S'ensuivit une seconde explosion, bien plus puissante cette fois-ci, qui fit trembler la ville de New York, laissant s'effondrer quelques gratte-ciels qui étaient encore sur pied jusque-là. Des cris de souffrance se firent entendre, mais contrairement aux hurlements précédents, ceux-ci n'étaient pas humains. Il s'agissait de ceux des démons qui essayaient, tant bien que mal, de s'enfuir loin du danger. En quelques minutes, les cris qui inondaient la ville disparurent et laissèrent place à un silence de mort. Une fumée épaisse envahit l'espace, mélange subtil entre les toxines du feu qui lentement s'éteignait et la poussière grisonnante volant dans l'air pour se poser enfin au sol. Au bout de quelques instants, sortant d'un nuage sombre, 8 silhouettes humaines se dessinèrent. Sur leur poignet droit, un S semblait avoir été incrusté au fer rouge, rappelant la couleur des symboles qui ornaient leurs longues et majestueuses épées. C'est parti! Et coucou, coucou Sky, bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton follow. Je te laisse t'installer pour écouter la lecture, du coup le début de lecture du roman Saviors de Margot Roudex. Chapitre 1, 10 septembre 2174, New York. Il paraît qu'ils ont des lames tranchantes, capables de détruire chaque démon et esprit sur Terre. Il paraît aussi que s'ils s'attaquent à un humain, non seulement celui-ci meurt, mais ils détruisent aussi son âme. Quiconque aiderait les forces obscures serait alors transpercé par l'une de leurs épées et laissé pour mort sur leur chemin, avec leur symbole gravé sur la nuque, un S aussi rouge que le sang d'un animal tout juste égorgé. Il paraît qu'ils auraient été choisis pour faire revenir le bien dans le monde. C'est presque ça, dit alors une voix à la porte d'entrée du bar. Le vieil homme sursauta et laissa tomber son verre. Toute l'agitation s'arrêta alors et un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Les personnes présentes se tournèrent vers les 8 nouveaux arrivants. L'homme, ayant interrompu le conteur de légende, esquissa un sourire. Une lueur de fierté brillait dans ses yeux, due au vent du froid qu'il avait amené dans le bar dès ses premiers mots, le rendant d'autant plus fier de son intervention. Physiquement, l'homme avait l'air d'un jeune adulte d'environ 18 ans. Sa mâchoire assez carrée avait pourtant une allure fine, lui donnant un air de mannequin.
Son regard bleu azur était accentué par l'épaisseur de ses sourcils sombres, contrastant parfaitement avec sa chevelure en bataille, d'un blond rappelant le doré du blé. Cette fameuse céréale, visible aux quatre coins du monde avant la grande invasion. Sa carrure, imposante, était soulignée par sa taille, et son blouson en cuir mettait parfaitement en valeur sa prestance. Tout, dans son expression et sa tenue, laissait entrevoir un ego surdimensionné et une puissance égale à celle de ses compagnons de route. La lueur étrange qui se lisait dans les yeux des nouveaux arrivants intrigua le vieil homme qui, en laissant son regard tomber jusqu'au poignet droit du blond, remarqua le S, rouge. « Qu'est-ce que vous nous voulez ?» demanda alors une autre personne en se levant, l'air terrifié malgré le courage manifeste dont il venait de faire preuve. « Du calme, papy, on n'est pas là pour toi !» siffla alors un brin adossé de façon nonchalante à la porte. Se trouvant plus en retrait du reste du groupe, le jeune homme portait un long manteau marron et un jean moulant, le tout accompagné de bottines en cuir noir, lui arrivant à mi-mollet. Ses yeux étaient aussi sombres que ses cheveux, son visage, plutôt fin, laissait entrevoir un air mystérieux et sinistre. Sa caractéristique principale se résumait à un cure-dent au coin de la bouche, relevant ainsi ses lèvres en une moue moqueuse. Je fais une petite pause sur la lecture, désolée, parce que je viens de voir le raid de Glandalf. Merci beaucoup Glandalf Legri pour ton raid. Et coucou à tous les raiders, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que ton stream s'est bien passé, Glandalf. Merci, merci Sam pour ton resub. Vous êtes mignon comme tout. Je fais ton petit FL, Glandalf Legri. N'hésitez pas à aller follow Glandalf Legri, qui stream sur plein de choses, qui est très très fun, qui est lui-même, et ça on adore. Il fait souvent des streams caritatifs avec ses copinous, et ils ont le cœur sur la main, et c'est comme ça chez eux. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un petit tour chez Glandalf. Merci beaucoup, j'espère que tu vas bien Glandalf. Et merci pour ton follow Marie Blue Knight, bienvenue à toi. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable début de semaine. Nous sommes en pleine lecture actuellement du livre Saviors, le tome 1, This is the Hunt, de Margot Roudex, qui est présente actuellement avec son illustratrice également via le compte Saviors Pink. Voilà, voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, je pense que l'autrice pourra répondre à vos questions sur l'histoire. Si elle a envie, bien sûr, j'ai pas envie de la faire travailler. Et merci encore Samu pour son resub 5e mois, c'est trop beau. Merci. Du coup, je reprends la lecture. Se trouvant plus en retrait du reste du groupe, le jeune homme portant un long manteau marron et un jean moulant, le tout accompagné de bottines en cuir noir, lui arrivant à mi-mollet, ses yeux étaient aussi sombres que ses cheveux, son visage plutôt fin, laissait entrevoir un air mystérieux et sinistre. Sa caractéristique principale se résumait à un cure-dent au coin de la bouche, relevant ainsi ses lèvres en une moue moqueuse. « Il y a un démon par ici, » lança calmement une jeune fille. Ignorant totalement la discussion entamée par ses camarades, la jugeant inutile. Avançant d'un air apathique, elle sortit son épée de sa colonne vertébrale, laissant un léger filet de sang couler le long de son dos. La jeune femme était plus petite que les autres et arborait de longs cheveux bruns ondulés, descendant jusqu'à sa fine taille. Elle possédait un visage un peu rond. Ces derniers lui octroyaient une allure de jeune adolescente, pourtant loin de son âge véritable. Ses yeux de biche, marron-vert, mis en valeur par du col noir, du mascara et de l'eyeliner, ajoutaient à cet effet de rajeunissement. Ses fins sourcils bruns accentuaient son regard, et son rouge à lèvres couleur sang lui donnait un air de femme fatale. Mettant en valeur sa bouche, juste assez pulpeuse. La brune portait un jean slim noir en cuir, qui moulait parfaitement ses formes, ainsi qu'un débardeur décolleté rouge bordeaux, surpassé par un perfecto noir. La tenue était rehaussée par de grandes bottes à talons d'environ 12 cm, qui ne parvenaient pourtant pas à lui faire atteindre la taille de ses acolytes. Pardon, j'ai ma chaise qui grince. Pourquoi vous détestez-nous à ce point? Pardon, j'ai bugué. Nous ne voulons que vous aider. Notre seul but est de faire revenir la paix et retrouver le monde d'avant. Soupira un troisième garçon, aussi blond que le premier, tout en regardant autour de lui, l'épée à la main. Il possédait un air juvénile, renforcé par une carrure moins impressionnante que ses comparses masculins et dissimulée sous une veste,
Il portait un jean plutôt large et arborait un visage aux traits légèrement plus fins que les autres. « Et donc, vous voulez qu'on vous fasse confiance ?» cracha le vieil homme. « La confiance n'est que pour les faibles et les inconscients. On ne peut se fier qu'à nous-mêmes, désormais. »« Pour le coup, ce n'est pas faux, » rétorqua une seconde brune en levant un sourcil. Celle-ci, plus grande que la première, avait un visage fin et tout aussi rond. Son regard malicieux était d'un brun magnifique et fixait le groupe d'humains en face d'eux. Son visage était encadré par des cheveux coupés au niveau de ses épaules, d'un brun légèrement plus clair que celui de la plus petite du groupe, faisant ressortir sa peau claire. La jeune femme portait un jean slim noir, un crop top bicolore décolleté et une veste sombre. Elle était chaussée de bottines brunes de 10 cm qui la grandissaient légèrement. « Bon, ça suffit maintenant !» s'énerva un jeune homme plus grand que les précédents. Brun, aux yeux verts, il possédait lui aussi une carrure développée et une mâchoire assez carrée. Malgré le froid évident qui frappait l'extérieur en ce début septembre, ce dernier n'était habillé que d'un débardeur, révélant ses muscles saillants, et d'un simple jean. Le tic nerveux, qui fit ressortir les muscles de sa mâchoire, indiquait clairement qu'il était en train de s'impatienter. « On passe aux choses sérieuses, oui ou non ?»« Détends-toi, Cole !» commenta une grande blonde qui s'avançait vers ce dernier, posant une main apaisante sur son épaule en levant un sourcil. Elle tourna la tête vers la plus petite des deux brunes. Kayla le cherche. La jolie blonde possédait de longs cheveux ondulés qui s'arrêtaient au niveau de sa poitrine, plutôt généreuse. Sa tenue, aux couleurs noires et bleu nuit, mettait particulièrement son corps en valeur. Son jean et ses bottines sombres élançaient d'autant plus sa silhouette. Son visage fin faisait ressortir ses yeux couleur noisette et sa bouche, pulpeuse, laissait tout humain présent pendu à ses lèvres. Et quand elle l'aura trouvé, je ne donnerai pas cher de sa peau, ricanait le dernier membre du groupe, un sourire sadique aux lèvres. Elle possédait une longue chevelure rousse qui descendait jusqu'au milieu du dos et qui était en parfaite harmonie avec son visage rond. La jeune femme avait des yeux d'un vert éclatant et se rapprochant de l'émeraude et mettant parfaitement en valeur son teint clair. Tout comme les trois autres jeunes femmes, elle arborait une tenue sombre, laissant apparaître ses formes presque aussi généreuses que celles de la blonde. Ladite Kayla sourit à la réplique de son amie, tout en continuant d'épier le moindre mouvement des habitués du vieux bar. Une ambiance lourde et terrifiante s'était emparée de l'établissement. L'air devenait irrespirable. La tension était palpable. La brune regardait chacun des clients, à tour de rôle, droit dans les yeux. Ce manège dura plusieurs minutes avant qu'elle ne s'arrête sur un homme. Plutôt frêle, il semblait chercher frénétiquement un échappatoire à la situation dans laquelle il était. La belle brune l'intimidait énormément. Elle le fixa longuement, analysant ses réactions avec un haussement de sourcils. L'homme ne pouvait, malgré lui, détacher son regard de la jeune femme. Il se sentit perdre le contrôle, et bien qu'il tenât de ne rien laisser transparaître, c'était visiblement trop tard. Il ne fallut qu'un centième de seconde à la brune pour remarquer le changement vif de ses yeux, passant d'un bleu océan à un rouge sang. C'est lui. Deux mots qui changèrent tout. L'homme, dans le viseur de la Savior, se leva et tenta de s'enfuir, mais les huit arrivants l'entouraient déjà. Il se transforma alors en une créature sombre et maigre aux yeux écarlates, griffes et dents acérées. Il poussa un cri strident et une dizaine de créatures identiques passèrent par les fenêtres, les brisant dans un grand fracas. La panique survint alors dans le bar. Les clients couraient à en perdre haleine jusqu'à la sortie. Se bousculant et se piétinant, en quelques secondes, il ne restait plus que les démons et les huit inconnus. « J'ai cru qu'il ne partirait jamais, » dit alors le brun au cure-dent, en s'approchant. Il extirpa son épée de sa nuque, écartant son accessoire de ses lèvres qu'il fit glisser dans une des poches de son vêtement. Un sourire sadique se dessina sur ses lèvres alors qu'il s'approchait du groupe d'ennemis, le regard sombre. « Maintenant, on passe aux choses sérieuses. » 20 septembre 2174, Washington. Leur légende est aussi terrible que les morts qu'ils ont laissés derrière eux. D'après celle-ci, la ville qu'ils habitaient, New York, était l'une des 20 villes les plus occupées par les démons. Après avoir éliminé tous les enfants et les personnes âgées, les créatures créèrent une arène meurtrière afin de se divertir tout en assassinant les seuls qu'ils avaient laissés en vie. Des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Au bout de 2 jours sanglants de jeu dans l'arène, il ne restait plus que 8 jeunes. Ils étaient terrifiés à l'idée de se battre contre les monstres les plus puissants de cette armée. L'un d'entre eux, une petite brune à lunettes, fut jeté au milieu de l'arène face à un homme vêtu de noir de la tête aux pieds. On ne distinguait que ses yeux rouges sang. Les 7 autres furent enchaînés et forcés à regarder, attendant que leur tour vienne.
La jeune femme avait un sabre à la ceinture, tout comme le démon. Celui-ci l'extirpa avec rapidité. Elle avait regardé l'arme accrochée à sa hanche et l'avait imitée en tremblant. Le combat commença. Les larmes brouillaient son regard, rendant ainsi sa vision floue. Elle reçut alors un violent coup qui la mit à terre. Avec difficulté, la brune se releva et tendit son arme face à elle, en respirant profondément. Elle ferma les yeux, en attendant la mort. Mais lorsqu'elle les rouvrit, son regard changea. Ses gestes étaient plus précis. Soudain, elle était devenue plus agile et maniait son épée à la perfection, ce qui étonna tout le monde, y compris elle-même. Puis, d'un mouvement direct, elle transperça le cœur du démon et, surprise par son geste, lâcha immédiatement son arme. Cependant, il n'était pas mort. Non, car à ce moment-là, aucune arme ne pouvait encore les anéantir. Le choc pouvait se lire dans les yeux sombres de la jeune humaine, ainsi que dans ceux de ses sept compagnons, toujours prisonniers et attachés. C'est à ce moment précis que leurs chaînes se décomposèrent une par une. Étonnés, ils se regardèrent, perdus, ne sachant quoi faire. Alors qu'ils essayaient vainement de trouver une réponse, ils virent les démons entrer dans l'arène. Au même instant, une porte s'ouvrit de l'autre côté et les huit jeunes s'enfuirent vers celle-ci, poursuivis par les créatures assoiffées de sang. Une fois dehors, il n'y avait plus aucun signe de quelconque civilisation, du moins du côté de New York où ils se trouvaient. Il ne restait qu'un désert sans fin. Ils se mirent alors à courir, évitant autant qu'ils le pouvaient les nombreux monstres de leur barrant la route, jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement face au grand barrage de bâtiments détruits. Les démons étaient juste derrière eux. Alors que tout semblait perdu, une douleur fulgurante les fit grimacer. Leur dos faisait terriblement mal, et plus particulièrement leur colonne vertébrale. Certains essayaient d'oublier la douleur, voulant se concentrer sur les ennemis qui avançaient. D'autres portèrent leurs mains à leur dos, et alors qu'ils pensaient toucher leur nuque, c'est en réalité le pommeau d'une épée qui entra en contact avec leurs doigts. La brune saisit le pommeau et tira dessus en grimaçant de douleur. Elle se retrouva alors avec une épée rutilante entre les mains, possédant de magnifiques ornements sur toute la longueur de la lame. Choquée par cette découverte, les sept autres prirent rapidement exemple sur elle, et chacun se retrouva en possession d'une arme similaire, aussi belle que mortelle. Ils prirent quelques secondes pour la contempler, oubliant presque la situation dans laquelle il se trouvait jusqu'à ce que la brune aux yeux marrons se retourne brusquement en brandissant son arme. Après tout, elle n'avait plus rien à perdre. Elle enfourcha donc un des démons qui tomba mort et qui se désintégra immédiatement. Tout se figea alors. Les démons s'étaient arrêtés comme pétrifiés de stupeur. Que l'un des leurs ait pu être tué les laissa, pendant un instant, sous le choc. Les huit humains se regardèrent aussi étonnés que les ennemis qui les encerclaient. Ils prirent conscience qu'ils avaient enfin trouvé un moyen de se défendre et peut-être même de tous les tuer. Un cri strident retentit. Les démons se ruèrent sur eux par centaines, émergeant de toutes parts. Il s'ensuivit un combat difficile qui semblait ne jamais vouloir se terminer. Les huit jeunes tentaient, tant bien que mal, de se défendre. Ils étaient surpris par leur soudaine dextérité. Après tout, ils n'étaient que de simples adolescents qui venaient tout juste de passer leurs épreuves finales et de terminer le lycée. Jamais aucun d'eux n'avait appris à se servir d'une arme blanche. Et pourtant, ils se défendaient comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. Cependant, même s'ils possédaient à présent des réflexes hors normes, ils n'étaient pas moins des débutants et les démons prirent le dessus. La jeune brune se retrouva seule, entourée de démons, et les sept autres étaient menacés par les longues griffes des monstres qui enserraient leur gorge. Tout semblait alors perdu. Les démons à l'apparence humaine semblaient attendre un signe. Le monstre qui avait été abattu quelques minutes plus tôt par la jeune fille au centre s'avança alors vers elle, déterminé à finir ce qu'il avait commencé. Il sortit son arme, mais fut stoppé net par une lumière éblouissante. Un puissant rayon doré descendit alors du ciel, traversant les nuages sombres qui s'étaient formés et se posant sur le poignet de la jeune fille. Le S, qui était inscrit depuis un certain temps, devint rouge. Puis le rayon partant de son poignet atteignit les sept autres adolescents. Poussant un cri de rage, le démon tenta d'atteindre la brune, son arme prête à la transpercer. Mais celle-ci s'était élevée, suivant la lumière. Une puissante onde de choc provenant de la jeune fille mit à terre les démons, libérant alors les survivants. Les sept autres s'envolèrent à leur tour. Ils n'étaient plus qu'une
lumière dans le ciel. Puis ces lumières foncèrent sur le sol, accompagnées d'une grande explosion et d'une épaisse fumée. Les 8 jeunes réapparurent, marchant ensemble, prêts à en finir. Ils étaient devenus des légendes. Tout avait soudainement changé en eux. L'expression du visage, leur gestuelle, leur façon d'être. Ce qui paraissait, il y a encore peu, si effrayés et renfermés, étaient devenus sûrs d'eux. La peur les avait quittés. Ainsi, ils réussirent à vaincre une armée de démons grâce à 8 épées et des dons dont ils auraient hérité. Après tout, beaucoup d'histoires se racontent à leur sujet et certaines personnes ne croient pas en leur existence. On les appelle les Saviors ou les légendes. Moi, je les appellerais plus les dernières pires créations de Dieu. Bien que jamais prononcées, leurs noms sont connus. Il y a Skylar, dont le calme n'a d'égal que la ténacité. Cole, le plus inventif, le génie. Shin, le plus jeune mais certainement le plus faible. Rebecca, la briseuse de cœur, la femme fatale. Holland, la manipulatrice. Rob, qui, malgré ses airs d'ange, est un véritable chercheur d'emmerde. Alec, le brin ténébreux. Et enfin, Kayla, aussi féroce aujourd'hui qu'elle n'était faible auparavant. Ils étaient des adolescents comme les autres, jusqu'au jour où ils sont devenus ces êtres sans cœur ni âme, qui ont pour mission de sauver le monde, paraît-il. Mais au vu de leur capacité et le temps qui s'est écoulé entre leur arrivée et aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont là que pour empirer la vie des derniers humains sur Terre. Je te conseille et te souhaite de ne jamais les rencontrer. Adam regarda l'homme de ses yeux clairs et lui fit un large sourire innocent. Et si justement je voulais croiser leur chemin ? 22 septembre 2174, New York. Il paraît qu'ils errent sur Terre depuis plus de 150 ans afin de détruire tous les démons. Leur légende dit que lorsque tous les ornements de leur épée auront été complétés colorés du sang des démons, cela signifiera qu'ils auront réussi leur mission et qu'ils pourront enfin vivre un repos mérité. Tu n'en as pas marre de déblatérer notre soi-disant histoire à tous les jeunes qui passent, le vieux ? Demanda alors Rob. Il était assis à une table du bar qui avait été dévastée par les autres quelques jours auparavant. Le blond ne regardait même pas l'homme à qui il parlait, trop habitué à ce qu'on parle de lui et de ses camarades dans leur dos. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je pensais que vous étiez parti détruire un autre bar, » lui répondit le vieil homme. Rob but son shot de vodka cul sec et se leva, daignant enfin porter son attention sur son interlocuteur. Toi, qui connais si bien notre histoire, tu sais qu'on aime beaucoup cet endroit. On pensait rester encore un peu. C'est tout de même notre ville ici. C'est tout de même notre ville aussi. Si ça te dérange, papy, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas peur de mourir, Rob Clarkson. Oh non. Et j'ai encore moins peur de ton jouet, répliqua l'homme aux cheveux gris d'une voix emplie de venin. Le jeune châtain clair assis à côté du vieil homme regardait le conflit sans y prendre part. Il admirait Rob et ne s'en cachait pas. Le blond, lui, ne remarqua même pas sa présence et se contenta de sortir son épée. « Ne me cherche pas trop, le vieux, je ne suis pas d'humeur. » L'homme ne s'y a pas, agaçant d'autant plus le blond. « Je ne suis pas un démon et je ne suis pas un vendu. Tu n'as rien contre moi, » dit-il en souriant. Il était fier d'être intouchable face à cet homme qui possédait la seule arme capable de tuer les démons. L'énervement se lisait dans le regard du blond, sa mâchoire se contracta alors qu'il leva son épée, s'apprêtant à décapiter l'homme. Une voix féminine se fit alors entendre dans le bar presque vide, surprenant le jeune homme assis au comptoir, ne s'attendant pas à ce qu'une nouvelle personne intervienne. Rob ! Cria alors Holland qui venait d'entrer. Elle dévisagea le peu de personnes présentes dans la pièce avant que son regard ne tombe sur le grand blond qui se pinçait immédiatement les lèvres. Fronçant les sourcils, elle se jeta sur lui à toute vitesse. La jeune femme désarma rapidement la légende et le mit à terre, assise à califourchon sur lui. Un coude sous la gorge alors que ses prunelles émeraudes brillaient de colère. Tu connais la règle, siffla-t-elle à l'oreille du blond. On ne tue que les saloperies et les crétins qui essayent de survivre en s'alliant à elle. Pas les vieux conteurs de légendes sans queue ni tête. Rob leva les yeux au ciel devant la mise en scène de son ami, mais acquiesça en soupirant. La rousse sourit, se releva en époussetant son pantalon et aida son ami à faire de même. Le jeune châtain, toujours assis au comptoir, regardait le spectacle avec attention.
Il était fasciné par la vision de ces deux légendes face à lui. « Et toi ?» s'exclama Hollande en se retournant vers le vieux toujours assis au comptoir et qui avait assisté à la scène en silence. « Tu sais très bien qu'il ne faut pas nous chercher. Alors dorénavant, je ne veux plus te voir sur notre chemin, ou je te couperai un membre à chaque fois que tu auras le malheur de nous croiser. Compris ?» L'homme ne pouvant plus bouger face au regard froid de la jeune femme, sous les yeux des deux légendes, il passa la confiance totale à l'inquiétude et la peur. Le vieil homme acquiesça de la tête, tandis que la rousse acquiesça d'un mouvement lui indiquant de partir. Sans plus attendre, l'homme s'enfuit en courant. Il ne restait alors que Rob, Hollande, et l'inconnu qui fixait les deux légendes avec émerveillement, alors que celle-ci venait à peine de remarquer la présence du châtain. Yeux bleus, visage et bouche fins. Il n'était pas très grand, et étonnamment assez musclé pour un humain censé se cacher et survivre. Pourtant, à voir son blouson marron usé, son jean noir délavé et son t-shirt bleu sali par le temps, le jeune homme ne semblait pas venir des rares lieux riches restant sur terre. « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» demanda Hollande en le regardant de haut en bas. « Ça fait 4 ans que je vous cherche. Je veux faire partie de l'équipe ?»« Quoi ?» s'étonna Rob incrédule. « Je m'appelle Adam Anderson et je veux être une légende. » Un silence s'installa entre les trois personnes. Rob et Hollande regardèrent leur interlocuteur immobile avant d'éclater de rire. « Bravo, petit, tu nous as bien fait rire. Maintenant, excuse-nous, mais on a des choses à faire, » déclara le blond au bout de quelques secondes. Il fit signe à son ami et tous les deux firent volte-face et marchèrent vers la sortie. « Ce n'est pas une blague !» cria Adam en se relevant. « Écoute, petit, tu sais qui on est. Tu sais que nous sommes immortels et tu sais que c'est seulement pour ça et d'autres petits atouts que nous avons reçus que nous sommes ici et toujours en vie. Tu ne peux pas être comme nous, c'est impossible. Alors je te conseille de rentrer chez toi et de continuer ta vie comme si tu ne nous avais jamais rencontrés. Désolé, on ne peut rien faire pour toi, » compléta Hollande. Sur ces mots, ils firent de nouveau demi-tour. Je sais comment détruire tous les démons en une seule fois. La dernière phrase d'Adam eut l'effet d'une bombe pour les deux saviors qui se retournèrent face à lui, comme si leur vie en dépendait. « Comment ?» demanda Hollande surprise au bout de quelques secondes. « Je sais où se trouve le cocon et comment le détruire. »« Et comment tu le sais ?» siffla Rob. « Mon grand-père s'y est intéressé de près et il a réussi à garder de drôles de machines permettant de rechercher n'importe qui ou n'importe quoi. »« Dis-nous tout. Où est-ce ? Comment on y va ? Que doit-on faire ?» s'empressa Hollande en attrapant le garçon par les épaules. « Si vous voulez vraiment le savoir, vous devez m'emmener avec vous, » déclara-t-il, fier d'avoir attiré l'attention de ses interlocuteurs. Hollande et Rob se regardèrent avant de tourner les yeux vers Adam, qui souriait de toutes ses dents. Un nouveau silence s'installa entre le trio, seulement interrompu par le chuchotis des conversations autour d'eux. « Tu viens, mais avant, il va falloir en parler aux autres, » finit par dire Larousse. « Génial! Par contre, si vous pouviez arrêter de m'appeler « petit » parce que j'ai le même âge que vous. Hein. »« Ah bon? Toi aussi tu as 18 ans depuis 150 ans ?» suggéra ironiquement Rob en sortant dehors. « Non, mais j'ai 18 ans quand même. » Hollande ne put s'empêcher de rire et Rob esquissa un sourire. Le châtain, lui, ne savait pas s'il devait se vexer ou rire avec eux. « Bon, bouge-toi le nouveau. On retourne au manoir. Les autres vont être ravis qu'il y ait un peu d'agitation. » Sur ces paroles, les trois acolytes se dirigèrent d'un pas rapide vers une destination, pour le moment, encore inconnue d'Adam. Le manoir, c'était ainsi que les légendes qualifiaient leur lieu de résidence. Il s'agissait d'une grande bâtisse en pierre blanche de 3 étages de plusieurs centaines de mètres carrés. Dans le hall se trouvait un grand escalier de marbre blanc en quart de rond. Celui-ci conduisait à une mezzanine qui surplombait l'entrée et permettait d'accéder à l'étage où 2 portes, réparties de façon symétrique, se distinguaient. Un couloir supposait la présence d'autres pièces. Le sol du hall était constitué d'un dallage de marbre blanc et noir, ressemblant à un jeu d'échecs géant. Décoration cependant en désaccord avec la dorure verdâtre. Pardon. Preuve du passage du temps dans la demeure. Sur la rambarde de l'escalier. De cette pièce étaient visibles 3 petites portes derrière l'escalier. Celle de droite menait à la cuisine, tandis que la première de gauche, fermée, était l'entrée de la cave, et la deuxième semblait mener à la chambre. Plus en avant de l'escalier, 2 doubles portes, à droite, grande ouverte, menaient à un salon.
À gauche, les portes menaient à une magnifique bibliothèque, au centre de laquelle se trouvait un grand billard. C'est dans ce décor un peu défraîchi qu'un jeune blond descendit alors les escaliers qui menaient à l'entrée à toute vitesse. Il bouscula, sans la voir, une petite brune. Bisous Camordoc, merci. Hey, s'écria celle-ci, plus par étonnement que par réelle douleur. Pardon Kay, mais je n'ai pas le temps. Rebecca veut me tuer et si tu pouvais l'en empêcher, ce serait cool parce que, franchement, ressusciter, c'est pas super. Dit le blond avant de se remettre à courir. Quoi ? Demanda la brune qui comprenait strictement rien à ce que disait son amie. Chine ! Cria une blonde extrêmement en colère et apparaissant en haut de l'escalier. Où tu te caches, sale pervers ! Mais qu'est-ce qui se passe à la fin ? Il est entré dans la salle de bain pendant que je me douchais. Rebecca attrape la rampe et sauta par-dessus afin d'atterrir juste devant son amie. En un seul regard, elle lui posa une question que la jeune femme comprit, pointa alors dans une direction. Il est par là. La blonde lui fit alors un sourire de remerciement, sortit son épée et alla vers la cuisine. Kayla soupira et laissa échapper un petit rire. Elle s'apprêtait à monter à l'étage quand elle entendit un grand fracas venant de la bibliothèque. Elle fronça les sourcils, poussa la porte et écarquilla les yeux. « Cool, bordel, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» lança-t-elle en constatant la scène macabre face à elle. Le grand brun se retourna et se gratta nerveusement la tête. Il était debout, les mains tachetées de sang. Assis contre le mur en face de la porte, se trouvait un second brun, inconscient, une queue de billard plantée en plein cœur. Le mur blanc de la salle était taché d'un liquide rouge brunissant déjà, tout comme celui sur le sol. « Je peux tout expliquer, Kay, » s'emprissa Cole alors que la brune croisa les bras. « Je te donne 2 minutes. » On jouait tranquillement au billard et puis... Et après, Alec a commencé à tricher et tu sais que je déteste ça, alors... Alors tu t'es dit que c'était judicieux de le planter tout en dégueulassant la pièce. C'est parti tout seul. Kayla leva les yeux au ciel et décroisa les bras pour s'approcher du garçon, le fixant un instant avant de lui mettre une claque. « Bah celle-là aussi. » Cole la regarda, un peu sonné, tandis que la brune attrapa une queue de billard. « Cole, mon chou, en attendant que monsieur daigne revenir d'entre les morts, je te prierai de bien vouloir me nettoyer tout le bordel que tu as foutu, illico. »« Et pourquoi je ferai ça tout seul d'abord? C'est lui qui a commencé, » dit le brun aux yeux verts. Il se rapprocha de la jeune femme, s'attendant à ce que sa taille de plus de 2 têtes qu'elle l'intimide. « Alors premièrement, parce que c'est toi qui l'as tué, » commença la brune avant de se pencher sur le billard. « Deuxièmement, parce que tu peux au moins attendre 2 bonnes heures avant qu'il se réveille et le sang aura eu le temps de sécher. » Et troisièmement, la brune tira sur la boucle blanche et dans un enchaînement hypnotique, toutes les boules présentes sur le billard se retrouvèrent éparpillées dans les 6 trous. Elle se retourna alors et colla la queue de billard contre la poitrine de Cole qui la fixa surpris. « C'est chez moi ici, et si tu ne veux pas dormir dans le congélateur du sous-sol, je te conseille de faire tout ce que je te demande. » finit-elle avec un sourire qui fit frémir le garçon. « Bordel, Kay, qu'est-ce que t'es flippante quand tu veux !»« Je sais !» répondit la brune en sortant de la pièce, le sourire aux lèvres. La porte d'entrée s'ouvrit sur Rob. Holland est un jeune inconnu aux yeux remplis de paillettes, un sourire enfantin collé au visage. « C'est qui, lui ?» demanda Kayla en posant les yeux sur ce dernier. « Je suis Adam !» La brune regarda ses amis avec un air suspicieux et haussa un sourcil, attendant des explications. « Il a des infos. » « Mais il ne nous les donne que s'il vient avec nous, » répondit Larousse en roulant des yeux. « Quel genre d'infos ? On vous expliquera après, une fois que tout le monde sera là. » Kayla croisa les bras et lança un regard sombre à Adam, qui perdit son sourire, impressionné par le charisme de la brune, qui pourtant faisait une tête de moins que lui. Alec et Cole jouaient au billard à côté, mais Cole a tué Alec, à l'instant, donc il devrait revenir dans 2 heures au plus tard. Sky n'est pas encore rentré et Rebecca est en train de tuer Shin. Encore ? Mais il n'en a pas marre de mourir ? Demanda Rob avec un sourire aux lèvres. Cole qui tue Alec ? On s'y attendait à celle-là aussi, rigola Holland. Kayla haussa les épaules. En tout cas, je vous préviens, ne comptez pas sur moi pour m'occuper de lui, dit-elle en fixant Adam. Je ne le sens pas. Eh, mais je n'ai rien fait. Justement, dit-elle en passant à côté de lui sans manquer de lui cogner l'épaule afin d'accéder au salon. Adam regarda la brune partir de façon nonchalante, avant de se retourner vers Rob et Holland. Le regard plein de questions.
Cherche pas à comprendre, c'est Kayla. Elle a l'air assez brutale et... C'est une petite peste, lâcha le blond. Rob, soupira Hollande. Bah quoi, c'est vrai? Au premier abord, elle a l'air d'une sale peste. C'est de ma meilleure amie que tu parles, là. Oh, mais t'en fais pas, Holly chérie. Toi aussi, t'es une peste. Va te faire voir, Clarkson, et ne m'appelle pas Holly chérie. Enfin bref, tout ça pour dire que Kay est vraiment une fille adorable quand on la connaît. Adam acquiesça et s'apprêta à parler quand des bruits de verre brisé se firent entendre, intriguant le trio. « Espèce de sale crétin vicieux !» s'écria Rebecca depuis la cuisine. « Je pense que l'on devrait éviter à Shin une autre mort. Il met beaucoup trop de temps à revenir, » répliqua calmement Hollande. « Ouais, et puis on a déjà un mort sur les bras, » ajouta Rob, s'imaginant déjà comment il allait pouvoir se moquer de son ami lorsqu'il serait réveillé. Rob rigola et commença à avancer en direction du massacre en devenir, suivi des deux autres. Une fois arrivé, il vit Rebecca tenir Shin contre le mur, son épée prête à être enfoncée dans le ventre de ce dernier. Ses yeux noisettes brillaient de colère envers le jeune homme qu'elle s'apprêtait à éventrer. « Je suis désolée, je ne savais pas que tu étais là !» articula difficilement le jeune blond. « C'est ça, à une autre !» s'écria-t-elle, qui menaçait encore une fois sa vie. « Rebecca, ne le tue pas, on a un truc à vous dire !» intervient calmement Hollande, en venant poser une main sur l'épaule de son ami. « Mais, pas de mais, laisse-le » coupla Kayla. Sa façon d'arriver dans la cuisine fit rapidement sursauter le nouveau venu, qui posa une main sur son cœur, dans le but de calmer ce dernier. « Mais d'où elle vient ?» demanda-t-il dans un souffle. « Du salon, » répondit la concernée. Pour prouver ses dires, elle montra la porte derrière elle, en levant les yeux au ciel, énervée par la crédulité de son nouvel arrivant. « Il faut que tu te détendes si tu ne veux pas mourir d'une crise cardiaque à chaque fois qu'il y a un truc qui te surprend. » Sur ces paroles, la brune tourna les talons et Adam esquissa une grimace. La blonde regarda Shin de ses yeux perçants et finit par le lâcher, non sans être dégoûtée par le fait de ne pas pouvoir mettre sa vengeance à exécution. « J'en ai pas fini avec toi. Venez, on va dans le salon, » annonça Hollande, en faisant signe aux autres de la suivre. Adam était heureux du spectacle auquel il venait d'assister et se trouva chanceux malgré le froid glacial entre lui et la jolie brune. Rob, de son côté, regarda son frère avec un grand sourire, le prit par les épaules et frotta son poing sur les cheveux de Shin. « Alors, comme ça on espionne sous la douche, chérie l'aînée ?»« Je ne savais pas qu'elle était là. Combien de fois vais-je devoir le dire ?» soupira le plus jeune en s'extirpant des bras de son frère. Mais bien sûr, faudra juste que je t'apprenne comment faire pour espionner sans te faire prendre. Allez, viens, ils vont finir par tous nous attendre. Rob sortit de la cuisine laissant seul un Shin complètement dépité. Pourquoi personne ne me croit jamais? Bordel, Cole, la prochaine fois que tu veux me tuer, préviens-moi, histoire que je sois en condition. Râla Alec en se frottant le torse, s'asseyant dans le canapé à côté de Kayla qui se mit à rire. Kayla rentra dans le salon et se figea devant les 8 individus assis qui la regardait. Réunion de famille, rigola-t-elle. Puis elle avisa le regard déterminé de ses amis et surtout la présence d'un nouveau venu dont elle ne connaissait ni le nom ni les intentions. « Vous avez l'air bien sérieux. C'est qui, lui ?»« Assis-toi, Sky. On t'attendait, » dit calmement Kayla en pointant le siège à côté d'elle. Le sourire de la belle brune disparut. Elle regarda les autres, s'attendant à ce qu'ils se mettent à rire en lui disant qu'ils voulaient juste la faire stresser, mais personne ne sia. Alors elle avança jusqu'à s'asseoir à la place indiquée. Adam se présenta à elle et expliqua aux légendes l'histoire qu'il avait racontée à Rob et Hollande 2 heures auparavant sous le regard sceptique des autres. « Je ne suis pas convaincue, » finit par dire Kayla au bout d'une minute de silence. Cette dernière croisa les bras et se laissa aller contre le canapé, s'enfonçant dans le rembourrage. « Je peux le prouver ?» répondit immédiatement Adam. « J'ai une carte ainsi qu'un objet qui s'appelle portable, je crois. » Quoi ? S'écria Cole. Je pensais que les démons les avaient tous détruits. Comme je l'ai expliqué, mon grand-père l'avait caché, mais je ne sais pas m'en servir. Mais comment un téléphone a pu survivre pendant 150 ans ? S'étonna Sam. Mon grand-père a dû le réparer à plusieurs reprises. On était une des rares maisons à avoir accès à l'électricité. Tu devais vivre dans une partie riche des villes alors, en conclut Rebecca. Adam acquiesça devant les dires de la blonde. « Jusqu'à mes 14 ans, oui. Enfin, bref, je ne suis pas sûre qu'il marche très bien. Je n'ai pas utilisé depuis que je suis partie. Ce n'est pas grave. Donne !»« Cole, détends-toi, sérieux. Ne nous fais pas une crise cardiaque, » dit Skylar en levant les yeux au ciel. « Notre vieux geek est de retour, » railla Rob.
Adam sortit son téléphone de sa poche et le tendit à Cole qui le prit précipitamment. Il regarda l'objet comme si c'était une œuvre d'art précieuse et extrêmement rare. C'est un iPhone SE 168 gigaoctets. Le brin marmonnait des phrases incompréhensibles et Adam regarda les autres l'air de ne rien comprendre. Ancien geek, ne cherche pas, lui dit simplement Rob. Donc tu dis que tu sais où se trouve le cocon et comment le détruire, demanda Alec en s'avançant légèrement intéressé. Exact. Déjà, vous devez savoir que pour détruire le cocon, il faut avoir tué la moitié des démons sur Terre. Je vous donnerai le reste des informations seulement si vous m'emmenez avec vous. D'accord, dit le brin en mettant son cure-dent dans sa bouche. Quoi ? Non mais vous foutez de ma gueule là ! Vous n'allez pas me dire que vous allez lui faire confiance comme ça ? Rétorqua Kyla en se relevant d'un bond. Personnellement, je pense qu'il est honnête, dit Kyla en scrutant le garçon. Je n'ai pas plus confiance en lui que toi, Kay, mais je ne pense pas que sa présence nous soit très contraignante. On a besoin de lui, et s'il n'est pas celui qu'il prétend être, c'est un mortel, on le tuera, murmura Alec à l'oreille de la brune. Cette dernière lança un regard noir au brin et finit par détourner les yeux. Bon, on va faire simple, déclara Chine en se levant. Qui et pour qui il reste ? Moi, je le sens bien, lança Cole. Avec un sourire fixe en l'humain, il leva la main. Le jeune homme est rapidement suivi par Rob et Alec. C'est toujours un plaisir de rencontrer un nouveau beau mec, dit Rebecca avec un sourire qui déstabilisait le Satan. Tous se mirent à lever la main, à part Kyla qui resta les bras croisés et qui soupira bruyamment. Adam fixa la brune, se demandant pourquoi elle le détestait autant sans même chercher à le connaître. Il croisa alors son regard et détourna immédiatement les yeux. Elle l'intimidait. Malgré sa petite taille et son visage enfantin, cela semblait être inné chez elle. Et concernait autant les humains que les démons. Adam s'en était rendu compte, mais les saviors en général l'intimidaient. Et voilà, chapitre 1 terminé. C'était trop chouette. Et j'ai trop aimé. Franchement, je me suis trop mis dans la peau des personnages quand j'ai lu les petits dialogues là et tout. Et c'est vraiment trop cool. Et vu qu'ils sont jeunes, ils ont une façon de parler vraiment familière. Et pour le coup, je vais pas dire très proche de moi parce que je suis pas non plus hyper jeune. Mais ça nous rapproche quand même des protagonistes. Et j'adore. J'adore, franchement, j'ai passé un super moment. Je rattrape vite fait le chat en attendant que... En attendant. Je vous laisse papoter si vous voulez. Blablabla. C'est beau et pas de soucis. Blablabla. Coucou Patchy, comment ça va ? Que des beaux gosses. Bah ouais, que des beaux gosses et des belles gosses. Visiblement, c'est un groupe de mignonnets et musculeux. Buter des démons H24, ça forge, mordir. Mais tu m'étonnes, c'est clair. Ça doit être crevant. Important, ça, les muscles. J'essaierai l'occasion. Ouais. Ce sera ajouté à ta liste de ton entraînement, Amritou. Buter des démons. Hi-hi. Et des femmes fatales. C'est ça, c'est trop ça. C'est sûr que pas de muscles, ben, c'est la peau sur les os. Oui. C'est pas faux. Sa nuque. Faut pas se planter. Ouais. C'est un très beau jeu de mots qu'a Mordoc. Mais il est plus là. Coucou Natsuno, merci pour ton lurk et des gros bisous. Et merci PipokaTV pour ton follow, merci beaucoup. Moi merci, tu es mon 700e follower, merci. C'est incroyable, vous êtes géniaux, merci infiniment. Et merci Selena Witch. Oh, joli pseudonyme. Pour ton follow également, bienvenue à tous ceux qui ont follow ce soir la chaîne. Merci Evan Sans Nom aussi pour le follow. Merci, c'est trop gentil, c'est trop incroyable. Vous m'avez fait passer la barre des 700 followers. Du coup, il ne nous en reste plus que 49 précisément avant de passer... pour pouvoir passer au dernier cap des 1000. C'est incroyable, c'est trop beau. Pardon, je suis une enfant. La bagarre. Monsieur Anderson, c'est l'élu. Il ment. Si je dois le lire, il ment. C'est parti tout seul, mais grave, ça m'a trop fait rire ce passage-là. Elle l'a bien dit. Je suis Adam.
Nous aussi, on a passé un bon moment, merci. C'était incroyable. Je note pour l'entraînement, Mandurir et Nawel. C'était top à écouter. Et bien moi, franchement, je me suis régalée et j'ai vraiment trop hâte de continuer cette lecture. Le temps va me paraître très long, très long avant de continuer. Je pense que s'il y a moyen, genre dimanche, par exemple, lundi, c'est férié. Et donc, si je me sens de lire deux chapitres d'affilée, on se lira peut-être deux chapitres d'affilée. Pourquoi pas. Du coup voilà, pour les intéressés, je vais peut-être faire un stream vendredi soir sur un jeu, en sachant que ce ne sera probablement pas le stream duo avec Orange Halo puisqu'il a un petit souci de santé, mais il y aura sûrement un stream vendredi soir si je suis pas trop crevée par ma semaine, à voir, ou vendredi dans l'après-midi, je ne sais pas. Ah non, je peux pas, j'ai rendez-vous à la banque. Sinon, samedi, pas de stream exceptionnellement parce que Monsieur Enawel fait une démo avec son école, enfin une initiation avec son école. Et donc, je désire être présente pour pouvoir prendre des photos et lui faire des souvenirs. D'ailleurs, Azra, si tu veux, ce sera au Moulin Blanc. Et pour tous les Bretons sur cette chaîne, ce sera au Moulin Blanc à Brest. Dimanche par contre, stream du coup potentiellement le matin ou alors de 14h à 17h et à 19h on poursuit la lecture de Sailors. Voilà, donc dimanche 19h on poursuit la lecture pour ceux qui sont intéressés. C'est samedi Azra sur la plage du Moulin Blanc. En fait ça va avec la journée du bateau dragon, je sais pas quoi, là il y a des courses de bateaux dragon et il y a plein d'initiations, il y a plein de trucs cool, il y a des trucs de cerf-volant machin et du coup il y a l'école Wushu Brest du coup qui vont faire des initiations. Why not, mais carrément, je serais trop contente de t'y retrouver. Donc je sais plus à quelle heure ça commence. Attendez, je vais chercher le fascicule, bougez pas, c'est juste à côté. Je fais ma petite pub en même temps, du coup. du coup, c'est la fête des bateaux dragons. C'est ça. Samedi 4 juin, plage du Moulin Blanc. Et alors, si tu veux vraiment l'initiation Taiji et Wushu, alors techniquement, c'est de 10h30 à midi et puis de 14h à 15h. Maintenant, je ne sais pas si ils vont y être un peu plus longtemps pour autre chose. Si tu veux plus d'infos, ouh, j'ai des frissons. Si tu veux plus d'infos, en soi, il faut demander à Sirius. Mais il y a plein de trucs qui vont être faits, donc ça peut être cool qu'on profite un peu de la journée tous les trois aussi. S'il peut se détacher avant ou après. Voilà, voilou. Je ne sais pas s'il y a d'autres Bretons sur la chaîne ce soir. L'information est passée. En tout cas, merci infiniment. Donc, je vais faire plein de remerciements avant de faire mon raid parce que plouf, magie, parce que je ne sais pas parce que je crois que il n'y a pas notre copine streameuse lectrice. Merde. mais enfin il n'y a pas notre copine lectrice le mercredi il me semble. Ah si, talk show et podcast. Eh ben nickel, on va aller voir notre copine lectrice alors. Qui du coup est en train de lire... Roulement de tambour. Bah je suis chaud, bah carrément Azra. On se textote comme diraient les vieilles personnes. Désolée d'en vieillir certains. Qui est en train de lire Les Chevaliers d'Émeraude. Tome 10, représailles, épisode 8. Voilà, donc sûrement chapitre 8.
Je vous... La bonne soirée, Nawel. La bonne soirée, Amritou. La bonne soirée à tous. Merci infiniment à tous. Alors, attendez, parce que j'ai quand même lancé le raid, en fait. Le temps qui se lance, du coup. Je vais pouvoir remercier tout le monde. Tout le monde, les mains en l'air. Voilà, du coup, merci infiniment. Beaucoup de remerciements, là. Merci infiniment, Fred Lyon FR, écrivain... Fire Florex pour les follow hors ligne il y a 4 jours si vous passez par là. Merci infiniment Savior Spink, Skylar GMZ pour les follow il y a 1 heure. Merci Glandalf pour le raid incroyable avec 21 personnes. Merci Samouraï pour le resub de tes 5 mois. Merci Marie Blue Knight pour ton follow il y a 43 minutes. Merci Evan sans nom pour le follow il y a 37 minutes. Merci Hippoca TV pour le follow il y a 33 minutes et merci Selena Witch pour le follow il y a 28 minutes. Merci infiniment. Ça m'a fait énormément plaisir, ça m'a fait chaud au cœur pour ce premier stream de lecture de Saviors. Ça me fait énormément plaisir pour Margot Rudex du coup aussi. Et puis pour tous ceux qui ont travaillé sur ce livre évidemment. Hein. Merci beaucoup. J'ai très très hâte de vous retrouver dimanche à 19h. Oh, bah il y a mon plaid qui se... J'ai très très hâte de vous retrouver dimanche à 19h pour la suite de la lecture. Bonne soirée. Des gros bisous. À tout bientôt. Ciao ciao.